Le musée océanographique fut édifié par le prince Albert Ier de Monaco pour présenter au grand public les spécimens recueillis au cours de ses nombreuses rencontres, donner aux scientifiques des moyens de recherche et permettre le rayonnement des connaissances en océanographie. Ce genre de musée océanographique de Monaco, tel que la maison de prince, fondateur et un monument scientifique et culturel, à l'éducation et à l'instruction de tous ceux qui rêvent de réconcilier l'humanité, les sciences et la conservation de la nature. Les êtres vivants qui respirent dans l'eau. On va faire un petit peu comme les scientifiques. On va les identifier. On va les mettre dans des groupes, dans des familles. On va voir la richesse de la biodiversité. Cette richesse qu'on peut trouver en Méditerranée. Il nous sert aussi à reproduire. Il y a beaucoup d'animaux qui ne sont pas capturés dans la mer, mais qui sont reproduits. Ici, plus de 30 espèces sont reproduites au musée, dont l'hippocampe, le poisson clown, le ptérapogon et le corail, puisque c'est ici qu'on cultive aussi. D'abord, on a les bacs qui sont par terre, parce qu'il faut les nettoyer, les poissons. Et après, on les demande de faire nettoyer au bout de 15 jours. On les monte dans les aquariums qui sont dessus. Et après, quand on a la besoin dans les aquariums publics, on peut les monter dans les aquariums publics. Les adultes de demain, quand on connaît, on peut mieux protéger.
change.